Oula! Oh, il y a des problèmes! Ça bug, attends, je pense que c'est parce que ça charge. Je sais pas si toi tu m'entends. Mais moi j'entends des brides de mots, des petits morceaux. Moi je t'entends. Ah, voilà! Putain, le moi je t'entends qui était d'une clarté absolue. Moi je t'entends très bien. Moi je t'entends. Hello, Brocorse, mais dis donc, on est beau comme un prince. Le crâne du chant des sirènes maléfiques. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi on est ici? Bonjour. Salut. Bonjour. Bien sûr, je suis beau comme un prince. Eh, dis donc! Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Hein? Très joli, bravo. Qu'est-ce que je porte? Je sais même pas. Qu'est-ce que je porte? Je ne sais même pas. Oh, je me suis levé, j'ai enfilé ça au bon hasard. Très bien. Je suis levé comme ça. Bien sûr. Capsize Charters. Ok, alors attends, je regarde si tout tourne bien, s'il n'y a pas de bug. Est-ce que ça tourne bien, mesdames et messieurs, sur Twitch? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis? Je vérifie. Comment je fais? Comme ça. Je suis obligé à chaque fois de faire ça. Hop, ça a l'air de bien tourner. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, donc on est bon. Le plaisir. Le plaisir. Oui. Donc ce soir, on est exclusivement en live sur Twitch, mesdames et messieurs. Si vous êtes sur YouTube et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous la regardez en rediffusion, en VOD. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch. Je suis en live tous les jours de 18h à minuit. Et parfois, en session nocturne, comme ce soir, de 1h à aller savoir quelle heure du matin. Mais voilà, n'hésitez pas à venir. Ça nous fera plaisir. Et là, ce soir, mesdames et messieurs, c'est c'est Marseille et Los Angeles qui se réunissent. Bien sûr, bien sûr. Pour aller faire de la piraterie, puisque moi-même, je suis à côté de Marseille. Et mademoiselle Espadrille, ici présente. Et comment on appelle les habitants de Los Angeles? Je le savais. On va dire... J'ai oublié. Est une habitante de Los Angeles. Oui. Tout à fait. Voilà. Les Angelinos. Les Angelinos. Et voilà. Je crois. Je sais pas. Oui, je pense que c'est ça. Très bien. Ben moi, ça me va. Alors, attends. Où est notre bâton? Ah. Oh, ça fait plaisir de revenir sur Sea of Thieves. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué à ce jeu. Ben, la dernière fois, c'était avec toi, en vrai. Ben, la dernière fois, c'était avec toi. Ah, mais il est là-bas. Notre magnifique navire. Je vais faire râler mes élèves. Pourquoi? De première, bah parce que ce matin, ils ont eu 4 heures de bac blanc d'anglais. Ouais. Et puis moi, j'ai fini à 2 heures les cours et eux, ils finissaient à 5 heures. Et ils ont dit, la journée, madame, elle est horrible, on n'en peut plus. Et quand je leur ai dit que j'allais jouer en live sur Twitch pendant qu'eux, ils allaient être en cours. Ah ouais, ils devaient être ravis, ouais. Est-ce que tu vois ça planté, là? Oui, quelqu'un nous a laissé un mot. Lire la note du capitaine Briggsy. Mais ça a un lien avec la quête qu'on a fait l'autre fois, ça. Mais oui, salutations, brave pirate. C'est moi, le capitaine Briggsy. Attends, je lâche un peu. Vas-y, continue. J'ai une nouvelle aventure à vous proposer. La chasse au crâne du chant des sirènes maléfiques. Ouh. Oh, on fait ça? On accepte la quête ou bien? Ben, écoute, pourquoi pas? Moi, ça me fait pas peur. La chasse au crâne du chant des sirènes. J'espère juste que c'est pas trop lourd parce que chaque fois, je galère. La chasse, le crâne du chant des sirènes, de sirène. Oula. Ouais, il y a une dame en haut avec un masque. Eh, c'est le carnaval de Venise ou quoi? Oh, just be aware that once you have the chest key or skull, oui, madame. You'll be visible to all the other crews. Oh, you non. Might have to fight them off to claim the reward for yourself. Bon, on est dans la sauce, quoi. As soon as you bring the skull of Siren Song to the destination I give you, I will make my presence known. So what are you waiting for? On with the quest. Ben on va essayer, mais bon. And good luck. Ben merci, on va en avoir besoin parce qu'on va se faire casser le fiac, quoi. Bah oui, hein. Ben écoute, voilà. C'est ton idée, hein. Allez. Mais oh, comment ça, c'est mon idée? Et oh, alors attends. Et oh, et oh. Est-ce qu'on a une quête spéciale? Quête cachée. Attends, quête cachée? Ben non. Quête cachée? C'est ça? Ben elle est pas cachée, on la voit. Tu vas aimer Sabre? Comment ça, je vais aimer? Ah ben oui, non mais je vais aimer, c'est sûr. C'est ça la quête cachée? Est-ce que c'est ça la... Regarde, est-ce que c'est ça la quête cachée? Non mais là, moi, je vois rien, si tu... Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas caché. C'est ça la quête cachée. On peut pas l'ouvrir la quête cachée parce qu'elle est cachée. Mais elle est cachée où? Oh, elle a disparu. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai cliqué sur X, elle est partie. Elle a dû se mettre avec les autres. Elle a dû se mettre avec les autres. Révélée.
Oui, voilà. Oui, bien sûr. Revelio. Fais voir. Maintenant, j'ai une map différente. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais comment ça, t'as une map différente? Mais regarde, elle est nouvelle, celle-ci. Bah, c'est celle que c'est j'avais, je crois. Ah. Faut faire de rendre où elle est cachée. Oui, alors non, elle est pas cachée là, Oshi. On ne cache pas des cartes dans mon cul, s'il vous plaît. Ça, on sait pas. Comment ça, on sait pas? On sait pas, on sait pas où Brigitte a mis la tête. Hein. Dis pas ça, après les gens ils vont te croire. C'est vrai. Bah oui. Bon, tu veux décorer le bateau ou bien on y va à l'arrache? Je sais pas, je comprends pas en fait ce qu'il faut qu'on fasse maintenant là. Ben moi non plus, je sais pas ce qu'elle veut. On a deux cartes avec un symbole particulier dessus, donc je pense que c'est ça. J'ai jamais vu ce symbole. C'est elle, c'est son masque à la con. Bon, viens, on va chercher un peu de matos et on se tire alors, on va faire ça. Ouais, on va se casser d'ici. On a même pas fini la dernière fois les quêtes déjà. Ils sont... Je te mets dans l'autre. Oui, c'est... beaucoup trop de choses. Faudra qu'on fasse ça, hein. Je suis assez d'accord. Et si on met pas un milliard d'années à faire ce truc-là, on peut derrière faire du scénar. Bon, ça va. Oui, après, moi, je pense que là, le seul problème, ça va pas être de trouver les trucs, c'est qu'après, on va être visible, quoi. Ça veut dire... Ouais, mais ça, moi... Enfin, bon, voilà. C'est qu'on soit visible ou qu'on soit pas visible. Qu'est-ce que ça va nous changer? On va se faire casser le fiac quand même. Oui. Ah oui. Après, je vais te dire, si on est sur le serveur français, à cette heure-ci, ça va. Alors. Chez moi, il est 16h. Donc les gens, ils sont encore au travail. Non, mais... On peut se cacher. On parle de l'univers du jeu vidéo et du gaming. Oui, est-ce que t'as entendu parler des joueurs juteux? Des joueurs juteux? Ah, tu connais pas les gamers juteux. Ils sont juteux. Un gamer juteux, c'est un joueur qui passe son temps à jouer constamment, tout le temps. On dit qu'il est juteux parce qu'il baigne dans le jus de son slip, tellement il se lave pas, tellement il joue. Oh, ok. C'est le concept du gamer juteux. Des gamers juteux sur Sea of Thieves, il y en a des tonnes. Ok. Donc, crois-moi, il y a des psychopathes. Il n'y en a pas des milliards, parce que le jeu est un peu... moins populaire que ce qu'il a été il y a quelques années, mais... Tout à fait. Oh. Ah bah c'est parti. Tout à fait. C'est une jolie petite ville, hein. J'avoue. Je trouve un petit magasin, là. Ouais, petit magasin fait. Sympathique. Oula. Les barons. Bonjour madame, je vais vous laisser tranquille, excusez-moi. Je voulais pas rentrer chez vous comme ça, mais la porte était ouverte. Mais ça va pas à la tête. Quoi? Alors, tu rentres pas chez les gens? Bah écoute, voilà. Moi, je vais appeler la police. Il y a une chaloupe là-bas, t'as vu? Ah oui. La chaloupe. J'ai entendu autre chose, c'était rigolo. Bref. Oh. Non, je ne dis pas de gros mots, monsieur. Non, attention, tes élèves pourraient te regarder. Oreilles. Non, non, ça va, il n'y a aucun risque, je me trouve. Aucun risque. Après, techniquement, je suis pas au travail, hein. Donc. Oui, non, mais oui, tu dis ce que tu veux. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Ah ouais, bordel de merde. Ça y est, elle a pété un plomb. Allez, c'est parti. Elle a tenu 2 secondes. J'ai essayé quand même. Salut Casu, bonsoir, attends mon kit Deep Record, c'est Espadrille, votre mission si vous l'acceptez est de retrouver le One Piece, vous êtes à bord du Thousand Sunny, bon voyage à vous, on va essayer de faire notre possible. On va essayer. Et crois-moi, la quête qu'on va faire maintenant, c'est pas la quête du One Piece, mais c'est une quête qui est chiante quand même, je te le dis, je sens qu'on va chier. Mais, on va faire notre possible. En vrai, ça dépend s'il y a beaucoup de joueurs ou pas, s'ils ont envie de nos trésors ou pas, s'ils sont occupés ou pas, voilà. C'est vrai, hein? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et bien sûr. Et bien sûr que c'est sûr. Allez. Moi, je suis full dans mon inventaire, je ramène ça et je te propose qu'on se casse. C'est toi qui fais de la musique? Alors, bien sûr. Non, du tout. Okay. T'entends de la non, musique? J'ai entendu de l'accordéon. Alors, c'est pas moi. Seconde, quelqu'un a fait de l'accordéon. Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à bord avec toi. Hein. Eh ben, j'ai mon gun. J'y vais. J'ai envie de dire pourquoi.
Il y aurait quelqu'un à bord de notre bateau. T'es sûr t'as entendu de la musique? Non, alors oui. Alors oui, je suis sûre d'avoir entendu de la musique. En revanche, oui. J'étais en train de faire le paramétrage audio pour baisser le son de la musique. Ah. Parce que du coup, c'est pas le jeu qui... Est-ce que quelque part... Oui, c'est possible, effectivement. Ok, bon, bah alors on est bon. Alors, changeons le temps de secours, hein. Oui. Oui, Piper jambe de bois. La fameuse. Hop, hop, hop. Alors non, qu'est-ce que je fais? C'est toi là qui joue? Oui, là c'est moi. Voilà. Mais tu joues vachement bien. Wow. Merci. Merde, c'est quoi tu déjà? Tu regardes jouer? Mais non, mais je cherche la roue pour danser. Parce que bordel. Ah, elle est là. Ah. Non, c'est pas ça. Ti-ti-ti-ti. Je pense que je vois un bateau au loin. Et si on se cassait? Oui. Il est où ton bateau au loin? Il est par là. Ah ouais, je vois le truc. C'est un bateau, ça? Affirmatif. Non, pas du tout, c'est un palmier. Ah ouais, je vois le palmier bateau que tu as repéré. C'est nouveau, ce truc. Allez, on se casse. C'est un joli... Alors oui, mais on se casse où? Tu vois? Ah, eh ben, Cannon Cove, plein est. Allez, let's go. Waouh, tu tournes vachement bien, ce truc. Merci. Je me suis entraîné. Je te laisse prendre là-bas? Bien sûr. Allez, vas-y. Plein est, bah, c'est très bien, c'est en face. En plus, on est sur notre petit sloop là, on est bien. Bah, on est pas bien là. J'adore ce jeu, mais mon ami ne joue plus. Seul, je trouve ça nul. Alors, je sais pas, moi j'aime bien tout seul aussi. En vrai, ce jeu seul, il a. Je sais pas. C'est un... Pour moi, ça me fait un peu penser à Minecraft. C'est-à-dire que. Excuse-moi, je pense qu'il y a un bateau en face. Alors, genre, trois mâts. Genre, c'est les problèmes. Genre, c'est les problèmes et ils sont pleins. Tu les vois? Non. Ah oui. Je pense que c'est un bateau fantôme. Ok. Ouais, je pense que c'est un bateau fantôme. C'est ça ou c'est des gens qui ont acheté un skin pour ressembler à un bateau fantôme? Oh non. Si. C'est parce que c'est plein est là, c'est ça? C'est plein est là, là, je suis plus droit. Alors je pense que c'est l'île qui est là, en vrai. Juste à côté de nous, là. Je check. Ouais, ouais, c'est ça, c'est l'île qui est un tout petit peu sur notre gauche. Juste là, là. Non, c'est ça. Non, oui, c'est ici, c'est ici. C'est Cannon Cove. Cannon Cove. Oui, c'est Cannon Cove. Ça sonne comme là où elle habite Jessica Fletcher. Ah. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est pas moi qui tirais. Ah non, c'est quoi ce truc? Qui nous tire dessus là? Pourquoi il y a une... Ah, il y a un bateau là par contre, un vrai, un sloop. Qu'est-ce que je fais? Je m'en mets où? Sur la gauche de l'île, il y a un ponton. Il y a une île super pointue qui n'existait pas avant là-bas, what the fuck? Le ponton. Et ça c'est quoi là-bas? C'est ça, putain, mais il y a des bateaux ennemis partout! Comment ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de buter les plombs! Tu peux monter les poils? Oui. Tu peux faire le bébé là? Mais il y en a partout! Il y en a partout! Mais on va se faire casser le fiac! Oui, on va mourir! On va mourir vite! Mais c'est pas juste! Nous on est des gentils pirates là! Nous on est beaux comme des petits cœurs! C'est quoi ça? C'est un brigantin? Il est loin, quoi, mais voilà. Mais moi, c'est le sloop de l'autre côté qui m'inquiète, là. T'as bien monté les voiles, hein. J'ai dit monter les voiles, c'était pour ralentir mon... Ben, regarde, on avance, allez, oh et oh. Non, mais on est très, très bien. On ça est sert à rien. Très ça bien. Sert à rien d'aller trop vite. Il faut savoir prendre son temps. Regarde. Non, mais là, en vrai, là, tu mets l'ancre. Et en sautant de la proue, t'es sur le ponton.
tu vois, incroyable. Oui. Est-ce que tu t'es vidé les poches? Est-ce que j'avais vidé mes poches? Oui, monsieur. Bravo. Bravo, jamais douté. Merci. Alors, tu sais quoi? Ne fais pas tout de suite la quête. Non, je ramasse du bois. Il y a trop de navires ennemis autour de nous, là. J'ai pas envie qu'ils viennent nous casser le fiac alors qu'on a récupéré le coffre, tu vois. Patientons ouais. Un peu. Non, non, je fais les courses, là. Ouais, voilà. Faisons les courses. Moi, je vais monter en haut de l'île, voir de l'autre côté si les mecs ils se sont cassés. Pas de soucis. Oh, il y a mon fils. Vas-y, cours. Comment ça, il y a ton fils? Bah, il y a mon fils. Oh, il y a mon deuxième fils. Oh, il est beau, il est beau. Il a un peu trop mangé, peut-être. Et tu cours après des cochons, toi? Bah, c'est mon fils. Je cours pas après des cochons. Je cours avec mon fils. Oh, putain. Tu vois bien qu'il a le même charisme que son père. Oui, il a tes yeux. Hein. T'as vu? Oui, oui, tant que c'est... J'allais dire un truc que je ne dirais pas. Tant que c'est pas ma queue, tout va bien, quoi. Aïe! Oh. Et... oui, tant que je passe la queue, ça va. Oui? Quoi? Oui, non. Non, ça va, je suis tombée. Bah oui. Oui. Alors, on va ranger les courses. Je vois toujours le sloop qui est à notre sud-est. Il est relativement loin. Il semble ne pas venir. Yahoo! Oui. Ah oh non, j'ai sauté, je suis content. Oui. Il a l'air de... Alors, je crois que j'ai le Sasuke et compagnie qui viennent de me spawner sur le hic. Sasuke et compagnie. Ouais, les strums. Les strums de la mer. En fait, tu parles une langue que moi je comprends pas. Hein. Sasuke, c'est un personnage de l'anime Naruto. Dans Naruto. Qui ouais. A une attaque, il utilise l'électricité. Donc l'espèce de murène électrique qui nous attaque, là, l'humain, murène électrique qui nous attaque, je l'appelle Sasuke. Ouais. Et voilà. Donc ils sont sous. C'est quoi un strum? Un strum, c'est un monstre. Un strum. Je connais pas le langage des jeunes, moi. C'est pas du tout le langage des jeunes, c'est le langage de Brocorps. Ah. Aucun... Oh, tu m'as fait peur, putain. T'as fait graou. Mais ouais, c'est quoi? Ah ben voilà. Alors ça, c'est Sasuke, tu vois. Dis bonjour à Sasuke. Ah oui, d'accord. Maintenant, je comprends. Tu vois, il fait des attaques électriques. Ouais. Voilà. Et non, je te rassure, les jeunes ne parlent pas comme moi, et eux aussi me disent quoi? Et qu'est-ce que tu as dit? Je me surprends parfois à faire des remarques de vieille à mes élèves, et franchement, ça me fait très mal. Bienvenue au club de ceux qui prennent de l'âge, qui se sont perdus parmi les jeunes. J'ai une élève qui me dit « Oh, j'adore vos cheveux, madame !» À ton avis, j'ai répondu quoi? Je sais pas. J'ai dit « Merci, je l'ai fait pousser moi-même. » Putain, mais quelle ringarde. Non, ça va, c'est drôle, là. Après, j'ai le bénéfice du « peut-être qu'il se dit, c'est une expression française, je connais pas, tu vois. » Non. C'est dur, quand même. Arrête de mettre ça sur le dos des Français, d'accord? Tu te débrouilles tout seul. Il y a personne. Je regarde juste de l'autre côté si le sloop est bien parti. Attends, parce que le sloop, il fait le tour. Moi, je me méfie. Moi, je suis méfiman, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a du poulet quand même. Hein. Il s'arrêtait sur une île suffisamment loin pour pas être avec nous, mais suffisamment proche pour être près de nous si jamais on chope un truc, tu vois. Ouais. Je pense que le gars est malin. Bon, écoute, on va tester, allez, on verra bien, tu sais quoi. On est ok? Oui. C'est parti. Bien proche du coffre, j'ai tué ton fils, si tu vas te rappeler du comment coton, ça? Lequel t'as tué? C'était quoi son prénom? J'ai tué un poulet. Mais c'est pas mon fils le poulet. Non, là, à côté de toi, à gauche, là. Là, il y a le poulet. J'ai tué ton... Oui, non, c'est ton fils que j'ai tué. Je sais non, pas mais non. Du poulet, mais... Pourquoi t'as ça, fait ça? Ça, là, ça, c'est ton fils.
Parce que c'est bon le cochon dans le... quand tu manges, ça te fait beaucoup de vie là. Allez, j'ai le coffre, on se casse. C'est celui-là? T'es sûr? Je sais pas, moi j'ai trouvé un coffre, je l'attrape. Non mais le coffre il va pas être posé comme ça, meuf. Ah. Tu te doutes bien qu'il va être quand même un minimum caché. Bon bah je le ramène quand même au bateau. Et je reviens pour le reste. Ramène-le. J'ai rien calculé. Exactement. Wouhou! Ah merde, C'est pas ici? C'est là-bas? J'ai vu le film d'ailleurs, Kaamelott. T'as reconnu la chanson? Bien sûr. Il est bien? Il est pas mal, hein? Oui, oui. Oui, oui. J'ai vu des bons films hein, au festival de Sarlat. Il faudra que. Alors, au secours! J'arrive! Je suis en train de manger! Oui, mais moi aussi je vais manger, mais c'est des squelettes que je vais bouffer. Ah, ça veut dire charger mon pistolet! Oh, ils ont lâché des trucs spéciaux. Qu'est-ce que c'est? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh, on a obtenu le pavillon. Parce qu'on a obtenu un joli petit pavillon. Ah. Y'a pas des munitions dans le coin? Parce que je suis un peu trop. On va direct le vendre. Oui, bien sûr. Là, on cherche même pas à comprendre. C'est parti, cours! C'est parti! Mon kiki! Ah. Allez, cours, je fonce au bateau, je lève l'ancre et fils de Michiron. Ah, joli. Merci. Ah, mais il a bougé ce compte bateau. Sur le bateau. Ben, tu vois qu'il a bougé ce compte bateau. T'es prêt? Oui. Bonjour. Allez, on se casse. Oui. Prends le volant. Attends, j'essaie de. Prends la barre. Pourquoi c'est moi qui prends la barre? Je sais pas où c'est le truc. Bon. Mais j'étais pas là. J'étais pas là. Je vais réparer le bateau. Vas-y, va réparer. Vas-y. T'inquiète, je répare. Ok. Ok, on est bon. Et Chirou fait les mêmes bruits que les poules. Ah, tu n'as jamais remarqué. Alors. Non. J'ai pas fait gaffe. Ok, tu veux qu'on retourne au port Méry? Là où on était, là où on a démarré. Ouais, c'était pas loin. Ok, bah, tout droit. C'était juste à côté de nous, du coup, oui. Autant aller vraiment au plus proche. Je confirme, on a un gros marqueur sur la carte. Oui. Je te laisse conduire, je monte. Vas-y. Bah tiens, on est bientôt arrivé. Ça, je check. Oui, bah écoute, on sait jamais. Un petit gamin. En vrai de vrai, on est bientôt arrivé. Hein. En vrai de vrai, on est bien. Mais si tu peux me dire si de ce côté on peut accoster, c'est parfait. Alors, il faut juste que tu me dises ce que tu entends par ce côté. Ben, le côté de l'île par lequel on arrive, là. Eh ben oui, il y a du sable et tout, on a l'air bien, non? Okay. Ouais, je vois la chaloupe. Tu vois la chaloupe, elle est en face de nous? La chaloupe, elle est un petit peu sur la gauche. Ok, donc nous c'est par là-bas qu'il faut pas aller. Je vois du sable. Je ne vois personne qui nous poursuit. Mais c'est parfait, on est bien. Après, encore faut-il qu'il n'y ait personne sur l'île. Non, mais il y aurait... sirène. C'est vrai, je ne vois pas de mouvement sur l'île. De toute façon, j'ai rechargé mon pistolet. Je vais te couvrir.
Tu me dis si tu veux que je monte les vols. Ouais, tu peux y aller, vas-y. Complètement ? Ouais. Ok, tu me dis quand tu veux que je jette l'ancre. Tu peux y aller. Ok, attrape le coffre. Je l'ai. Je pars, je te couvre. Pourquoi j'arrive pas à monter ? Parce que j'appuie pas sur le bouton. Voilà pourquoi. Pas de panique à bord. Elle est où la dame ? Madame ! Elle était pas là ? Elle était pas là la dame ? Madame ! Est-ce que c'est elle qu'on le donne ? Pas du tout, hein. Pas du tout. Il est où le gars à qui on vend les coffres déjà ? C'est une excellente question. Ça c'est un marchand, c'est pas ça. Vas-y, je vais chercher. La fontaine, j'imagine que c'est personne. Là, c'est la dame avec les crânes. T'achètes ou pas ? Non. Je crois que c'était au-dessus, là. Pas du tout. Le collectionneur d'or, c'est pas lui. Ici, il y a personne. Oshi, est-ce que tu as l'info ? Est-ce que tu sais où on peut vendre le coffre ? Là, c'est quoi ? C'est la taverne, ça ? Non ? Oui, on va pas vendre le coffre dans la taverne, ça m'étonnerait. Mais... Non, ça m'étonnerait. Attends, quoi ? Il vient de se passer un truc bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait un pas dans la taverne, le coffre a disparu, je l'ai plus en main. Quoi ? Je te jure, j'ai fait un pas dans la taverne, le coffre a disparu de mes mains. Est-ce qu'il serait réapparu dans le bateau ? J'y vais. Continue de chercher le gars, j'y vais. Non, attends, parce que là, il y a un problème, là. Où est le coffre ? Est-ce que c'est pas lui qui me le garde ? C'est le nouveau coffre, celui-là. Ok. Tu l'as ? Non, je suis sur le bateau. Y a rien. Où est notre coffre ? C'est quoi ce... C'est un bug ? Attends. J'étais là. J'ai fait un pas. Le coffre a disparu. Pourquoi ? Il est pas dans les objets. Il est évidemment pas dans les objets à lancer. Où est notre coffre ? Je vais péter les plombs. Tiens, on brûle la taverne. Non mais c'est quoi cette blague ? Attends. Il n'est pas par terre dans la taverne, il aurait pas... un peu bizarre. Il est là, derrière. Ok. Il a respawn derrière. C'est bon, je l'ai. Ok. J'ai pas eu peur. Ok, ça c'est les boutiques pour acheter. On s'en fout. Et cette connasse là devant. Madame. Larina. Pas là, Larina, le coffre des sirènes totem les filles. Impossible à livrer ici, ce doit être vide avant sa livraison dans un avant-poste. Quoi ? Ceci doit être vide. Ah oui ! Quand à l'heure quand on a fait la quête, il y avait un truc décrit sur trouver une clé pour l'ouvrir. Je pense qu'il faut aller sur la deuxième map. Ah ! Voilà qui est intéressant. Oh, putain, on a la grosse cible accrochée au cul et nous on se balade. Ok. Les deux cons. Ouais. Je veux dire, moi je veux bien, mais pas toi quoi. Reste zen. Non, hein. Yeah. Moi je pue, c'est la base. Moi, jamais. Bon, putain, ça m'a fait peur le coup du coffre qui despawn là. Bah oui, tu m'as fait peur aussi, hein. Alors, bon. C'est une carte vers une île qui ressemble à un croche-crou. Vas-y, fais-moi rêver. Je sais pas trouver les îles, moi, je suis naze à ça. Ok. Attends.
Hop. Hop. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un boomerang dégueulasse, hein, c'est d'accord. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Un souci? C'est pas vrai? Bro, je t'entends très loin. Pourquoi tu m'entends très loin? Si je savais, je t'entendrais pas très loin. Attends. Je sais pas. Là, tu m'entends, là? Comme si tu étais parti de ton micro. Non, je t'entends très très mal. Très très mal? Oui, tu es très loin, comme si tu étais parti... Hello! Alors, attends, je vais regarder. Faut que je regarde sur mon retour, du coup. Est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce que ça vient du jeu? Non, mon son sur le retour est normal. Oh! Qu'est-ce que c'est? La musica! Oh, c'est parce qu'il y a le gros crâne rouge qui vient d'apparaître. Je vais checker pour le son, t'inquiète. J'ai fait de mon froc. Trouvons l'île, barrons-nous, et je règle le problème du son. Ouais. Alors, l'île du boomerang. Où es-tu, Lulu? Paramètre audio. Non, mais ça marchait bien jusqu'à maintenant, ça doit être un bug, ça va revenir. Oui, attends, je vais faire ça. Bouger. Non. Coucou! Coucou, mais t'es toujours très très loin. Oui, très très loin, moi. Très très loin. Est-ce que c'est... Est-ce qu'ils t'ont pas fait une mise à jour pour faire des sons spatialisés, tu sais? Du coup, quand je suis à l'intérieur de la cabine, tu m'entends moins bien que si j'étais à l'extérieur ou des conneries comme ça. Reviens à la cabine pour voir. Ok, je l'ai. Putain, elle est loin. Oh, elle est très très loin. Il va falloir qu'on parte plein est et loin. Ok. Ok. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très loin. Toujours? Mmh. Mmh. Attends, je vais regarder mon son. Ok, je vais peut-être déco revenir et voir si ça sera. Paramètres. Attends, je vais regarder mon son. Enfin, une fois qu'on aura démarré le bateau. Et... Paramètres audio. Non, il n'y a pas de raison. Si c'était ton micro Twitch, tu t'entendrais plus non plus. Bah ouais. Non, puis ça, surtout, ça l'a fait à un moment, alors qu'avant, ça le faisait pas, quoi. Oh non, c'est ça. Mm-hmm. Chat de proximité directionnel, chat de volume de chat... Je sais pas. Faisons une bateau, et pendant qu'on sera en train de naviguer, je déco, je reviens, et puis tu mettras sur mon place. Ça va. T'as dit que ça partait... Plein est. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, mon kiki. On lève l'ancre, on se casse. Mmh. Hop, je baisse le voile. C'est type par Gaspard. Je déco, je reviens. Ça marche? Ça va, ça roule. À de suite. À de suite. Alors ça m'inquiète un peu parce que c'est la direction dans laquelle il y avait le gars tout à l'heure. Donc en vrai c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais parce que s'il connaît déjà la quête, c'est peut-être ça qu'il attend. Peut-être qu'il attend simplement qu'on aille aussi chercher la clé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est con hein, mais c'est peut-être ça. On verra bien. Salut Michiro, bonsoir. Coucou toi. Coucou. Faut-il que je renvoie une invitation? Tu vas bien? Moi je vais bien. Oui. Moi ça va.
Et toi, ça va? T'as réussi un peu à te reposer ou pas, Mitchiron? Message, hein. Pas de message égale pas de mauvaise nouvelle. Hein. Continuons. Hop. N'est pas là, il est parti ou il est allé se cacher plus loin. Allez savoir. En tout cas, pour l'instant, je ne le vois pas. Je crois pas. Coucou, c'est bon le son. Ok, bah parfait. Oh. Je fais une petite mise à jour là, va tout aider un peu. Ok. Écoute, quand il faut, il faut. Tout à fait. On en sort que plus fort. Ah, mais Chirou, si t'es malade, va te reposer, s'il te plaît. Ne te pose pas devant un écran pour venir regarder ma sale gueule. Tu vas te poser et tu vas faire le petit dodge. Ça peut pas te faire de mal. Vraiment. Et même si tu dodges pas, le fait de pas être devant des écrans ou des trucs comme ça, ça va te faire du bien aux yeux et donc au crâne. Oui. Donc en vrai, ouais. Oui. Il a des fesses qui se prêtent. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça va, Oshi? Oui, fesses, j'ai compris. Quoi? On va sortir un peu de la map, on peut même aller plus à l'est, peut-être descendre un poil. Ah, c'est-à-dire plus à sud-est? Parce que là, on... Oui. Attends. Alors attends, je vais passer l'île qui est devant nous et après je tournerai. Ouais, ouais. Ah, il y avait un rocher cul. D'accord, je comprends. Alors, je joue à Metal Gear Solid, Naya ne voit qu'une seule chose, c'est le cul de Snake. Je joue à Sea of Thieves, vous voyez qu'une seule chose, c'est les rochers en forme de cul. Vous avez un souci avec les culs, quand même, hein? Ouais, ils aiment bien les culs. Quoi? Ils aiment bien le cul. Écoute, alors, c'est une partie tendre. Voilà. Alors, en revanche, je rejoins parfaitement Naya. Ah. Ah oui. Le huc de Snake. Ah ben. Ah ben... Oh. Tout à fait. Par là, c'est bon, à peu près. Oh, bah attends, je regarde. Oui, c'est beaucoup mieux. D'accord. Oui. Attends,
Bah sur Minecraft, je vois bien ton gros cul cubique. Ah ! Ah putain, si t'en es là. Très bien. On lui dit ou pas, Michiru ? Oula ! Ça y est, je sens qu'elles ont fait des dingueries encore toutes les deux. La météo, c'est pas ça, hein? Non. Ouais, non, c'est pas ça du tout, non. Je vais monter, hein? Vas-y. Vu que, quand même, on est très, très visible sur la map. Bon, je me mets comme ça. Et je vais vite faire la map. Très bien. On est pas mal là. Oh. On est bien là. Bah alors, on est pas bon nous. Bien sûr. Alors, tu n'es pas au courant, enfin je suppose, mais ils font une série mais qui a tué Pamela Rose. C'est pas vrai. Si. Ils ont sorti déjà les deux premiers épisodes. Ouais, bien sûr. J'ai vu les deux premiers épisodes, j'ai pleuré de rire tellement c'est con. Ah ouais? C'est incroyable. Déjà, t'avais eu un fou rire de malade sur un film. Mais oui, mais. Ça fait partie de mes films préférés, ces conneries. Hein. Ah, il y a un bateau. Ah, où ça? Il avance assez vite. Il est à notre gauche, il est derrière le rocher. Je vais prendre de la hauteur. Et checker son faciès. Sur notre gauche derrière le rocher. Je pense qu'il essaie de nous faire l'embuscade. Sloop ou c'est quoi comme navire? Et je sais pas, j'ai pas pu voir à cause des vagues et des rochers, c'est pour ça que je vois. Il est derrière ce rocher, ce bâtard. D'accord. C'est pas un brigantin, c'est ou un sloop ou un deux-places là. Je sais plus comment vous dites. D'accord. c'est pas un gros. C'est pas un galion, peut-être que c'est un brigantin. Je le vois pas. Hein. Derrière le rocher non, qui est sur notre gauche, là. C'est juste le plus proche. Ouais. C'est non, ça, le plus proche. Il avait des lumières et tout, et là, il n'y a plus de lumières. Je vois rien du tout. Ça sent la souricière. Ah, il est là-bas. Je pense qu'il est à l'arrêt. Ah, mais il est loin. C'est un sloop à l'arrêt. Une bonne soupe à l'arrêt, là. Let's go. Il est loin. Non? Quoi? Il est pas loin un peu? Oui, il est loin. Mais, tu m'as fait peur. On passe à côté de rochers et là tu me dis, il y a un bateau juste derrière, à côté des rochers. De loin, un coup sur deux, toi. J'ai fait la manfroc là. Faut que je change de couche moi maintenant. Le volume de change éteint, volume de la musique, les effets sonores, je l'avais à 30. Bonjour, Minecraft. Allô? Oui. Oui? Oui, mais t'es toujours loin. Hein. Quoi? Tu m'entends encore loin? Oui. Ok, écoute-moi. Débranche ton casque et rebranche ton casque. Allô? Allô? Oui, ça y est, ça a marché. Voilà. Putain. Du coup, ça a marché? Du coup, ça a marché pas tellement. Incroyable. C'est fou. Bah ouais. Je check, ce serait pas la batterie de mon test. Non, je pense que c'est un problème de jack. Oui, c'est vrai que mon jack, il est très mauvais. Je pense que c'est ton jack. La prise dans mon PC, très mauvais. C'est Jaco, mais ça veut dire que tu sais, si jamais t'as à nouveau le problème, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que je débranche et que je rebranche. C'est ça. Il faut titiller ton jack. Je vais titiller mon jack. Ennemi en approche, quoi? Quoi? C'est toi, frérot, qui a posté ennemi en approche. Oh merde, c'est à notre gauche! Il faudrait peut-être qu'on aille au nord, hein! Mais oui, mais la map, elle me le dit pas! Le GPS, il marche plus! Mais j'étais à la hauteur, moi, J'étais à la hauteur, je peux pas aller, moi! Oh putain, et tu sais pas si on se fait tuer le cul? Ah, comment ça, si on se fait tuer le huc? On va pas se faire tuer le huc!
J'espère bien. Et bon, les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font Des joueurs professionnels. Mais bien sûr, nous on partait à Krakenfall. Hein. Bien sûr. Nous on dresse des Kraken. Relais, voilà. Moi j'avais une Sims, elle avait un gros Kraken tatoué sur son. C'est vrai. Rappel Bien sûr. Lily Pousto, la meilleure partie des Sims. Ouais. Je pense souvent à elle. Mmh. Est-ce que tu peux aller à la map et me dire un peu à gauche, un peu à droite que je sois sûr que j'aille sur la bonne île. Tu es parfaitement parfait, tu es dans une trajectoire trajectée, c'est impeccable. Si c'est optimal, c'est bien. C'est optimal. Il va falloir qu'on soit rapide et efficace. Oui. Ça veut dire, on se charge, on est bien, ouais. On a des munitions. On est bien. Oui. Oui, bien, on check la map. Déjà, on saura à quel côté faut aller. Alors, le bas. Le petit bout là, la pointe. Ouais. Show me. Tu où? Je suis à côté de toi. Ok, je vois. Je vois. Ouais, je vois. T'as ah, attention, il va falloir mettre. L'encre. Tu me dis. Je te dis. Je suis trop prête. Ok, vas-y. Tu me dis. Et voilà. Et bravo. Et voilà. Tiens, on va rigoler un peu. Je peux pas l'avoir, mais dommage. Mais lui, oui! Putain, s'ils pouvaient se déplacer un tout petit peu sur la droite, tous les deux, là, je les défoncerai à coup de canon. Vas-y, motive-les. Vas-y. Joli! Attends, vous oubliez! Joli! Joli. Bon, t'es un peu en feu, attention. Il a tué le capitaine, mais j'ai pas la main. Oui, ben, je suis marre à blâmer ton capitaine ici, hein. Tout le monde, moi. Ok, il est mort. Je recharge le canon au cas où on se ferait attaquer. Ils flottent tous en bas, tu sais. Ok. C'est le gros coquillage là qui m'a tapé. Merde. Ouais. Ah, mais il y a encore un coquillage qui m'a tapé. Ok, j'ai la clé, je crois. Ah non, c'est une clé sambre, aucun rapport. Non, clé sambre. Il faut quand même qu'on creuse pour la clé, je pense. Lui, je vais lui marrer la bouche, là, il va se filer. Je vais la poser là. Tu disparais. Au cas où. Putain, montez la frérot. Si. Il faut que je vienne manger, donc je rattrape le crâne en même temps. Tant qu'à faire, on y est. On est bon, on est bon. Je suis à l'article de la mort, mec. Hein? T'inquiète pas. Ça va bien se passer. J'ai pris zéro bouffe avec moi, je suis trop débile. T'as fait quoi? J'ai pris zéro bouffe avec moi, je suis parti à la guerre. Zone. Le talent, le talent. Tiens. Notre coco là. Ouh, c'est bon ça. Ok. Ok, bon. Alors, vite, map. Là, y a de la tue. Hop. Trésor. Ok, go. Le trésor se cache sur la droite. Il y a une pointe avec un caillou. Il sera derrière la pelouse. Une pointe avec un caillou. Il sera derrière la pelouse. Il serait ici. Hop. Désolé. On va laisser poser, je l'ai. Allez, parfait. Oh putain, il y a du monde. On tracasse. On a peur des personnes. Ok, je l'ai. Hop. Je vais poser ça et j'arrive. Non, on peut leur tirer dessus de loin en fait. Hein, tu sais. C'est même presque plus drôle. Il est vrai. Moi j'aime bien leur tirer dessus de loin. Ils sont où? C'était tout? Ah mais ils sont partis. Y'a que pour protéger la clé? Bah je les ai tués. Mais ils sont nuls. Bah on se casse. C'est des nazes. Ok, donc et la clé, on peut ouvrir le coffre avec ou pas? Bah je l'ai dans la main, on va checker. Vas-y. Déverrouiller. Oui monsieur. Vas-y. Et du coup y'a quoi dedans? Il y a un crâne. Oula très, très beau. C'est
qui est trop beau, pas qu'on regarde. Allez, on se casse. Et là, on peut aller les vendre, on est d'accord. Vous faites de la lumière. Ouais. On vend où? Alors, je sais qu'à côté. Il y a ce truc qu'à demain. Je sais qu'à côté de nous, il y a un machin pour vendre, mais j'ai peur que ça soit l'endroit où on a vu le gars tout à l'heure. Quel gars? Le bateau que t'as repéré tout à l'heure. Mais la quête, on l'a eu sur le bateau. Rapportez-le au capitaine Grigsby sur l'île marquée d'un fanal. Ah. Est-ce que c'est pas ça, là, le Sunken Grove? Je sais pas, c'est quoi un fanal? Un fanal, c'est un drapeau, c'est un symbole qu'il y a sur un drapeau, normalement, un truc comme ça. Ok. Sur l'île marquée d'un fanal. Ouais. Dézoome et tu le verras, je pense. Je vois pas. Tu vois pas. Ok, viens à la barre. Je vais réessayer. Allez, ça arrive. Ouais, je vais regarder les MP, les slous. J'ai... Ok, j'ai... Tu l'as ? Je suis là. Vas-y, va voir le bateau. Ah. Va voir la map, tu es derrière toi. Ouais, attends, j'essaie de lâcher la barre. Voilà. Vas-y, vas-y. Ah ouais, notre bateau est lumineux. J'adore ma vie. Bah oui, c'est ça, il faut qu'on se casse. Sur l'île marquée d'un fanal, je l'ai, ok. C'est bon. Est, tu prends... Non, un petit peu à droite, prends un petit peu à droite. Donc nord... nord-ouest. Nord-ouest. Ok. Vas-y. C'est pas l'île la plus proche que tu vas voir là maintenant devant toi. Elle sera encore plus à droite. Et c'est une île qui est assez grosse. Ok. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle The Sunken Grove. Ok, donc c'est le truc avec le... les trucs violets. J'imagine, parce que j'ai jamais vu ça, donc ouais, je pense que c'est ça, oui. Ouais, ok. Ça me paraît... C'est ce que j'ai présumé également. Oui. Encore plus à droite, un tout petit peu. Ouais, ouais, mais ça y est, je vois l'île. Il y a ok, le parfait. Truc qui fait la lumière. Parfait. Ah oui, effectivement, oui. Ah ouais, c'est la discrétion, là. Bah oui, c'est ça, on a un petit peu le bateau de dispo, quoi. Oui, alors attends une seconde, je regarde les MP. Pas mal du tout, les slows. Putain, par contre, non, mais alors ça, le c'est pas Jojo. Avec nous, hein. T'avais pas besoin de marquer Jojo, je l'avais reconnu, hein. C'est oui. Hein. Bravo. Le jauge. Incroyable. Ok. Alors, est-ce qu'on a des navires ennemis en vue? Je ne vois personne. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Oui. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que cette île ne ressemble pas à une île où on vend habituellement. Non? Pourquoi notre bateau il craque comme ça? On va couler? Pas du tout, il n'y a pas de... Comment ça va couler? Je sais pas, le bateau il craque, ça me fait peur. C'est un navire, ça. Comment ça, c'est un navire? Non, non, c'est un navire, mais il bouge pas. C'est les voiles sont levées, il est à quai, ils viennent pas. Tout va bien, il ok est loin. Il est à l'île sur notre droite, il est pas loin. Mais il vient pas. Ok, ok. Oh non. C'est bien l'île, là, sur ma droite, hein. Oui, oui, oui. Putain, mais c'est vrai, on dirait pas du tout. Oh non. C'est pas ce qu'on veut. Non. Non? Si, non, mais c'est pas à ça que je réagis. J'entends une musique, la seule fois où je l'ai entendu, c'est quand il y avait le Kraken. Ah non, hein. Oui, c'est pas le moment, quoi. Ah non, hein. Oui, on est d'accord, oui. Non, c'est bon, tout va bien. Allez, on se casse, on arrive, là. Allez, on arrive, je suis à l'ancre. Tu me dis, je vous écoute. Quand ça touche le sol, jette l'ancre. Hein. Moi, mais non, c'est pas un avion. Ok, baisse le... Attends. C'est attends. Pas... Mais non, mais je suis à l'ancre. Vas-y, baisse l'ancre. On va se crash, t'inquiète, Georgette, je fais un drift. Hop là. Let's go. Allez. Ok, allez. Je prends le coffre. J'ai mon pistolet, je pars en reconnaissance. Non, il faut qu'on reste ensemble. Attends-moi. Bah oui, mais je t'attends sur la plage. Mais comme ça, s'il y a des sbires qui sortent de la plage... Je suis si tu vois quelqu'un... C'est cette personne qu'il faut qu'on voit, ok? Ouais. Bien, je pense qu'il faut qu'on monte. Ben voilà. Vas-y. Ok, il y a des petites lumières.
Je suis les petites lumières. Vas-y, suis les lumières. Il y a mon fils. Va vers la lumière. Ah. Oh. On m'appelle, mais je sais pas où. Ah, c'est en bas, oh. Ok. C'est bon, j'ai repéré. T'inquiète, je te couvre. Vas-y, va vendre. Non, mais là, si je descends, je me casse la gueule. Ah ouais, mais j'arrive, attends. Putain, mais lui, faut qu'il arrête de courir, hein. Je te mets un coup d'épée. Ok. Tiens. C'est l'île, tu sais, avec le trou en spirale au centre. La grande descente. J'arrive. Ok, mais moi en fait, je suis en train de me friter un peu là, mais vas-y, va. C'est bon, j'ai trouvé l'île. Salut. How can the legendary Captain Briggsy be of service? It can't be that difficult. Vous devez me rapporter le crâne, n'oubliez pas, hein. Ah, oui, d'accord. Je reviens, je suis désolée. J'ai voulu prendre un raccourci, mais je me suis brisé la tête. Ok, c'est fait. 75 000 pièces d'or. What the fuck. Oh, pas mal. Ah ouais, plutôt. Ça fait des sous-sous, là. Oh non, mais un crâne, 75 000, let's go, bravo. Bravo. Mais bien sûr, YouTube, t'as vu ça? Viens nous rejoindre sur Twitch. T'as le lien dans la description pour venir directement sur la chaîne. Viens nous rejoindre. Je vais te faire la bagarre. Alors attends, parce qu'elle me parle encore et en fait, je lui mets pas. Oui, madame? Excusez-moi. Ok, elle a disparu, c'est trop tard. J'ai pas lu. Elle avait l'air sympa. Hein. Elle m'a filé 75 000 dollars, je la trouve très gentille. Hein. Elle est sympathique. Ouais. Elle a un gros porte-monnaie. Hein. Oula, qui c'est qui tire? C'est moi, il y a des squelettes, je m'amuse. Vous avez obtenu la veste de Briggsy. Oh, jure, on a obtenu sa veste. Oh, on a une veste. Viens, on met la veste. Viens, on met la veste. Non mais en vrai, il faut qu'on... Maintenant, tu sais quoi, on va même pas chercher à comprendre et on va encaisser, on va enquiller avec avec la suite du scénario qu'on a commencé l'autre fois. Ouais, il y a un capitaine en bas là, j'essaie de le buter devant. Viens, on va lui casser la gueule, j'arrive. Je suis juste perdu dans une grotte, hein, mais je vais arriver. Je te jure, à un moment, je serai là. Hein. Y'a pas de soucis. Je vais y aller quand même, histoire de... Oh. Ouais. C'est marrant. Bien sûr. Y'a ton fils, y'a deux de tes fils là. Ah, d'accord. Ah, j'ai plus de munitions. Eh ben, à l'ancienne. Allumez torche, grave dit ses fauches. Bien sûr. Oui, j'ai regardé Shrek. Ouais, voilà. Ouah, comme j'étais marave, mon frère, j'aurais honte. J'ai un crâne! Bravo, oh, félicitations! Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est de la bouffe. Allez, on y va. La bouffe, c'est bien quand même. Ouais, mais entre un crâne en or et la bouffe, qui va attraper la bouffe? Il y a un petit coffre là. Vas-y. Il est où notre petit bateau? Bah, il est de l'autre côté, je suis en train de nager là. Le bateau. Bon, je sais pas, hein. Je suis de l'autre côté. Ah là là. Tu me connais, hein? Oui! Je me perds sur un parking. Hein. Oui. Oui. Il y a un truc qui brille là-bas. Hein. Il y a un truc qui brille. Moi. Je vais le chercher. Est-ce que je vais me faire croquer le cul par un requin? Peut-être. Probablement, oui. Ça fait partie du plaisir. Alors, ça dépend. C'est quoi? J'espère que ça vaut le coup. Hein. J'ai trouvé le Graal. Oh, appelle-moi Arthur. Bah techniquement, je devrais t'appeler Perceval. C'est pas faux. C'est ce gros con qui le trouve. Mais il me semble qu'il fait rien en fait. Il me semble qu'il y a un gars qui passe avec le Graal et comme lui on lui a appris à pas poser de questions, bah il pose pas de questions. Ouais. Ok, je voulais prendre un raccourci qui m'a coincé entre deux rochers. J'arrive, hein, je suis. Bravo. Tu t'es softlock, félicitations. T'es coincé? Non, ça va, j'ai fait le tour. Bravo. Oui, je me suis coincé un peu toute seule.
Tu sais, les raccourcis imaginaires, ouais, c'est pour ça. Bien sûr. Ok, je vois le bateau. J'ai le crâne, regarde. Bravo, magnifique, ça nous en fait deux. Hop, moi je pose le calice avec. On va mettre ça avec. Hop, on range tout, hein, parce que moi je suis comme ça. Et on a une clé pour coffre cendré qu'on n'a pas. Voilà. Bah écoute. Tu veux que je te dise. Faudrait que j'allume la lumière, la nuit tombe. Bouge pas, je vais Qu'est-ce allumer. Que c'est que ça vas-y. Y'a pas de soucis. C'est un fruit. Oula! Il s'est fait attaquer par sa lampiote, je pense. Dangereux, les lampiotes. C'est quoi ça? Okay. Et voilà. Et voilà. Eh bien, je te propose d'aller vers l'île la plus proche, afin de vendre les trois conneries qu'on a, et puis on prend de suite la quête pour faire le truc. Ouais, la dernière fois, on avait fait la quête avec le gars qui se mangeait par les c'est chiens. C'est ça. Et on avait fait la première. Ouais, on continue tranquille. Exactement. On a quand même été efficace, on a fait cette première quête en une heure. Ouais. Tu as Jess, une de mes modératrices, qui te passe le bonjour. Bonjour Jess. Elle se trouve sur le même continent que toi. C'est vrai ? Elle est au Canada. Tout à fait. Il me semblait ouais, que tu m'avais mentionné une modo au Canada. Tout à fait. Tu vois, je t'écoute quand tu parles. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Et on ne dit pas ça parce que les gens vont croire que je dis le contraire, alors que pas du tout. Tu sais, les gens, ils s'imaginent beaucoup de choses. Hein. Ouais. Oui, ça va vite. Hein. Oulala. Oulala. Oulala, c'est l'heure de la soupe. Cloche. Okay. En route, là-bas, peut-être, non? Derrière nous, en fait. Est-ce que tu peux me dire par où je vais, s'il te plaît? Oui, bah écoute, on a deux avant-postes, un devant et un derrière, et on va celui qui est devant, c'est évident. Eh ben, celui qui est devant, ouais, celui qui est devant. La grosse route devant toi, bah, c'est ça. C'est ça. Bien sûr. Un poil par la droite. Évidemment. Putain, j'ai toujours le bug avec le Microsoft Store. J'arrive pas à mettre à jour certaines applications de Microsoft et tout à cause de ça. Et je peux pas acheter de jeux sur le Microsoft Store. C'est impossible. C'est connerie. Ben ouais, ça fait chier. Du coup, je peux pas jouer à Minecraft PC. Parce que Minecraft, maintenant, tu ne peux l'acheter que sur le Microsoft Store. C'est vrai? Ouais. Du coup, c'est full relou, quoi. Faut que tu l'achètes, du coup, en physique. Je peux même pas l'acheter en physique. À droite, les lins, c'est celle-là. Ouais, j'en vois. Pourquoi tu peux pas l'acheter en physique? Parce qu'il n'existe pas en physique, Minecraft. Oh, ça se fait plus? Ça se fait pas en physique, Minecraft? Ben, Minecraft, ça a toujours été un jeu full numérique. Ah, il me semblait que j'avais vu des versions. Alors, vas-y. Je baisse la route. Ah bah oui, plutôt. Oui, parce que là, on a passé le pont. Hein. Bye, le pont! Let's go! Voilà. Bon, ça sur la version console, tu peux trouver des versions physiques pour Minecraft, mais sur PC, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, c'est vrai, parce que dans les PC, ils ont même plus de lecteurs et tout. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus de lecteur de disquette maintenant dedans. C'est fini. C'est fini, ça. Ça, c'était avant. Elle est où, ma chérie, là? La mademoiselle. La dame des crânes. Elle est là-bas derrière, non? Elle est là. Est-ce que c'est la belle gosse? Ah non, c'est la vieille. Ah. C'est Oprah. Viens, on change d'île. Mademoiselle. On va sur l'île où la fille est en train de la mignonne.
Oula, dis pas non plus oula, elle a pas 90 000 ans non plus. Hein. Bref, tu l'as vu. Respect là-haut. J'ai plus dormi. Respect pour les vieilles dames. Non mais je la respecte. Hein. Je respecte, elle me fait trop peur. Elle me fait trop peur pour pas que je la respecte. Tu vois ou quoi? Non, il y en a une autre qui est vachement belle. Putain, en ce moment, je suis en train de lire le nouveau comic, c'est Wonder Woman. Salut beaucoup, beaucoup. Ouais. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est belle, Wonder Woman? Ah, mais c'est Wonder Woman. Oh, ouais, les dessins, ils sont magnifiques. Oui. Il te reste que ton Graal à vendre, ma petite bichette. Ouais, le petit Graal. Ok, ok, ok. Je l'ai. Allez, allez. Ouais, ça va très bien, Moko, et toi? C'est la forme ou quoi? Où je le vends, mon saphir? Ben, pareil. Ah non, au mec sous la tente, normalement. Le char de la plage. Ouais, ouais, le mec sous la tente. Me semble. Ça reste sur toi. Comment il s'appelle? Émile? Non. Horace. Horace. Mon ami. Horace. Horace. Oh, 2000 balles. Pas mauvais, hein. Ouais, enfin, en vrai, c'est un saphir de la taille de mon poing, 2000 balles. C'est... Ouais, alors qu'on manque à 10, il le reprend 588, hein. Oh, il y a le Christ qui a pissé dedans, quand même, hein, frérot. Comment ça, non? D'accord. Le Christ qui a pissé dedans. Bah, ouais, c'est décevant, je suis désolé.